Voilà. Spelunky. Il est là, Spelunky. Moi, je faisais les morts en paix, merde. Oui. Ah oui, laisser en paix, ouais. Mais je sais plus, il y a quelqu'un, je crois, qui se mettait en quête de rejoindre l'épave du Titanic. Alors, le jeu en vaut pas la chandelle au niveau de la thune, que je sache, mais c'est pour des raisons affectives. Je crois qu'il y a un gars qui voulait récupérer le collier de sa mère décédée à bord du navire. J'ai une info qui m'est passée sous le nez. Oui, mais non, mais je joue avec ça, moi. Attends, je reviens un peu. Ouais, écoute. Toi, la nature humaine est ainsi, Erika. Eh bah bon resto à toi, cousin, bon app. Ah, t'as raison de te faire plaisir. Un bon resto. C'est moi ou il m'a validé ma manette? Alors, je me suis fait plaisir cette semaine où j'ai acheté une nouvelle manette compatible PC PS3 que je n'avais pas. Qui, pour rien vous cacher, que j'ai trouvé à la Fnac. Ah oui, j'ai joué à la manette, tiens. Oh là, à la manette, faut que je prenne mes repères. Eh ben, je l'ai testé parce que je l'ai branché, j'ai pas joué, donc. Alors, je vais peut-être déjà trouver la bonne touche pour valider le. Comment je fais pour valider mon. D'accord. Ah bah tiens, les boutons correspondent. Je vais peut-être tout simplement lire ce qu'il y a décrit sur ma manette. Ok. On va y arriver. Ah oui, il y a plein de personnages que j'ai pas déverrouillés. Qui c'est que j'ai pas joué? Bah tiens, je vais jouer les demoiselles. Allez hop. Miss Flauvert. Ah, c'est rigolo que je le fasse façon console et non pas façon PC. RB. Ça? D'accord. Bon, c'est bien hein, quand c'est comme le port salut et que c'est marqué dessus. Je vais peut-être m'y retrouver. Alors, comment je joue? Merde, j'ai posé une bombe. Attendez, j'ai besoin de prendre mes repères. Là, je saute. Là, je pose des bombes. Là, je lance un grappin et là, je fouette. La touche n'achève mal. Ah là là. Ah! Chauve-souris! Vilaine bête va mourir. Bon, j'ai envie de dire que cette session compte pour du beurre puisque je. J'apprends à maîtriser ma toute nouvelle manette. Ah oui, là faut que mon cerveau. C'est drôle. Il faut que mon cerveau s'adapte. Oh! Mon cerveau s'adapte. Ah bah tiens, allez, on va fêter l'arrivée des bombes. C'est horrible ce que je dis. J'irai faire la bombe. Retard. Après j'ai un avis mais je risque de pas plaire à tout le monde. Pour moi c'est visiter le Titanic, c'est avec le sous-marin, c'était une attraction pour riches. Oui bah oui. Oui mais je te cacherai pas mon cher Torota que c'est ce qui est très probablement en arrière-pensée de chacun. Oui c'est sûr, c'est une attraction pour riches. Oui. Mais moi je rejoins l'état d'esprit d'Erika, c'est-à-dire qu'il repose en paix et voilà. Que ça reste la légende. Enfin la légende. Qui est vraie, mais. Oh sympa, je détecte à distance où est la sortie. Avec la boussole.
qui repose en paix, que voilà, que ça reste merde. Waouh, j'ai très mal réagi devant le squelette. Et putain, le piège de mort. Vous avez vu le double? Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Je sauve pas la blonde, je suis un monstre. Ouh ! Ah, ça me fait bizarre de jouer à la manette de jeu vidéo à ce jeu. C'est sympa, hein, mais il faut que mon cerveau s'adapte, sans déconner. Adaptation du cerveau. Et puis il fait chaud, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Oh, il y a déjà une grosse araignée. Il y a Big Mama Arachnide. Tiens, je te fouette, vilaine. Elle est coriace, hein, elle est... Je crois qu'il faut 2-3 bombes avant qu'elle explose, mais elle explose en plein d'objets, l'araignée maman, là. C'est bien, elle s'est déjà prise la flèche. Je suis pas sûr que ça vaille le coup de monter, moi. Peut-être mieux que je dynamite le bordel. Ouch. Oula, la configuration est un peu casse-gueux. Bon, génial. Et puis j'ai l'autre qui va dit folle, là. Merde. Mais d'où elle vient, elle? Putain, elle aurait pu me buter. Oh, merde. Ça, par contre, je m'y attendais pas. Mais non, mais c'est pas ce que je voulais faire. Encore que... Finalement, ça va peut-être m'arranger. Finalement, ça va peut-être m'arranger. Oh. Oh, elle va s'exciter sur la... Oh, c'est horrible. La blonde qui est poursuivie par l'énorme araignée. Ah, cette image. Cette image. Oh! Magnifique! La super araignée a été tuée par la blonde, j'ai l'impression. Oh, c'est le jackpot pour moi. Attends, viens ma grande. Merde, pardon, je l'ai pas fouetté. C'était pas... C'est une erreur de ma part. Objection, votre honneur. Hop là. Oh, il y a un marchand. Merci, l'araignée qui me... Non! J'ai pas vu l'autre, non! Ah, revenir au début, continuer. Continuer le combat. Merde, j'ai pas compris, alors c'était l'autre... les intitulés, ils sont nuls. Enfin bon, bref. Et de la tunache. Ouf. Ouf. Ah, la config est pas cool. La config est pas cool. Vive les cornes. Oh non, mais non, mais... Voilà. Quand c'est trop à la verticale, non mais je suis mort, laisse tomber. On va recommencer déjà là. C'est la merde. C'est une catastrophe le truc. Alors c'est revenir au début qui est la bonne... Ah oui, c'est revenir au début qui... Ok. Non. Voilà, merci. Ah. Ouais, c'est tentant. Ah bah. Oh, je sais plus à quoi sert le gant. Je sais plus c'est quoi sa fonctionnalité. Mais descends ma grande. Ah bah oui, c'est ça. C'est rester accroché au mur et faire de la spéléo. Bah c'est génial. Autant dire que je suis Spider-Man, quoi. Oh merde, il y a une araignée dedans. Ah oui, c'est cool, je peux descendre en rappel.
très pratique. Hop là. Bof. Alors, non, je regrette mon choix. Merde. Du coup, le... Ah, le gant m'empêche de... Mais merde. Merci. Est-ce que je peux? Non. Non, je peux pas. J'aimerais bien fouetter, mais... Ça marche pas dans ce sens-là. Putain, je perds du temps, connement. Oui, bah c'était sûr. Merci, voilà, j'ai merdé. J'ai été condamné à merder. Hop là, attrape. Oh merde, loupé. C'est pas grave. Ah! Non, je voulais pas descendre. Non, j'ai loupé un butin. Mais non, parce que je sais pas jouer. Et j'ai loupé le précieux butin. Je suis deg. Oui, je vais boire un coup. Merci Erika, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Merci, santé. Remarque, la vente de cordes est plutôt sympa. Ouais, il y avait... Oh! Un hôtel de Cali. Non! Oh là, cette configuration de mort. Ah oui, 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 bah je vais bien acheter. Vu le prix, c'est correct. Oh merde! Oh shit. Et ben voilà, j'ai pas le temps de monter. Ridicule. Tout ça à cause de l'araignée de mes deux. J'ai déclenché la mort. J'ai déclenché la malédiction. La malédiction de la muerte. Merci. Hic. Va sauver la blonde, toi. Oh. Ouais, merci pour la tunasse. Merci pour la tunasse, c'est apprécié. La tunasse de l'été. Oh yeah. Bonjour, Mzel, on est venu vous sauver. Là, il y a... Ah oui, il y a les pièges. Oh, comment je l'ai piétiné. Tududut, tududut, nous avons une victime à évacuer. Tududut. De toute façon, c'est... Non, là, c'est moins haut. C'est moins haut d'une case. Hop là. C'est bien, ouvre la voie. Attends, je vais prendre le rocher. Merde, j'ai merdé ma réception. Bobo. Oh merde, elle est morte. Oh, ce mauvais choix. Je l'ai laissé planter là. C'est horrible. Tout ça pour ça. Oh. Il faut que j'arrête mes âneries de tout jeter parce que... Souvenez-vous, la dernière fois, alors que je portais un casque... Je m'étais assommé avec une de mes armes de jet. Il faut le faire quand même. Un retour à l'envoyeur assez cruel. Où j'étais stupéfait bah, d'avoir perdu aussi bêtement. Quoi. C'était la honte. J'avais fait le mariole. Enfin bref. Merde. Bon. Oh, il y a des choses à faire par ici. Nous avons des choses à faire. Oh, il y a une caisse tête de mort. Une onde de choc et bam.
Allez, viens la chauve-souris. Oui, bah c'est la caisse cadeau. C'est la caisse cadeau. Alors, je sais pas ce que fait cet artefact. Faudra m'expliquer. Mais je sais pas du tout. En plus, le com, il nomme son sous-marin Titan comme pour provoquer la mort Titan Titanic. Ouais, ouais. Ouais, dans la symbolique, je te rejoins dans l'idée, Erika, mais bon. Merde! Putain, j'avais pas vu le lance-projectile, je me suis fait avoir comme un bleu. Je me suis fait avoir comme un bleu. Vengeance. C'est moche. Bon. Alors, la blonde du jour est un chien. Ah, non, j'aurais pas la thune. Oui, bah pareil. Just like a bomb. À moi la tunache. Ah. Allez, serpent, attrape le chien. Merde. Oh, wow. Bougoudou. Je cherche les ennuis. Attends. Oulala. Non, non, le chien, tu me suis là parce que... Oula, tout doux. Ah bah voilà, t'es sauvé. Ah, c'est le néant là-bas. Un dernier truc? Oh. Ah, ah. Certainement pas. Bah. Ah oui. La léchouille de l'amitié. Eh, joli butin. Franchement, finir un des premiers niveaux avec plus de 10 000 en poche, en dollars, c'est bien. C'est que j'ai bien écumé le niveau. Je l'ai bien lu, bien joué. Attends, attends, attends. Oh là là, j'en vois des choses. Ah, paquet de bombes. Mais il est bas, le gars. Mais paquet de bombes. Ah, un hôtel de Cali. Alors attends. Il y a des choses à faire, mais pas n'importe comment. Bon, là c'est accès à la tunasse. Là, c'est les couloirs des mines du roi Salomon. Oh, le paquet. J'ai aucune idée de l'utilité du paquet, je m'en souviens pas. Doucement. Oui, bah là, je peux rien faire d'autre que... Ah, merde, j'ai plus de bombes. Ah, merde. La bonne blague. Merde. Bonjour monsieur. Boîte de bombes. 12 bombes. Merci monsieur. J'irai faire la bombe. J'irai faire la bombe. Ah bah la blonde elle est... Oh 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 oh. Oh, comment dire, la blonde a un petit souci à se faire. Si elle bouge, elle est morte. Oh la vache. Je crains que la sortie soit sur la gauche. Ah ouais, la sortie sur la gauche. Alors attends. Merci serpent. Oh là là là. Oh là là. Oh la malédiction. Non. Non. Oui, j'allais dire, va mourir toi. Encore ? Ils sont très animés, les crâneurs par ici. Ah bah, bravo. Ridicule. Oh non, le fantôme est déjà là.
Hop là. N'oubliez pas que je suis chronométré, je peux pas prendre des photos et rester sur place. Sinon le fantôme vient me dévorer. Et me fait pousser la douce étreinte de la mort. Oh, c'est une assez indécent. Oula. Oula là. Je sais même pas comment la... Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. Ah non ! Ah bah oui ! Mais je suis bête ! Moi, je m'attendais à ce que la caisse explose en touchant le sol en contrebas dans la fosse à serpents. Mais c'est vrai que le truc allait se déclencher avec la flèche. Je suis un abruti. Là, c'est bien fait pour ma tronche. Je suis un ego, mais... C'est moi qui ai oublié une des règles fondamentales du jeu. J'ai mal lu le tableau. Ce qui est mortel, vous l'aurez vu. Oh! 3 bombes, 3 cordes offertes en cadeau, c'est suspect. C'est suspect! Ah oui, des joyaux, des diadèmes. C'est ça qui est beau. Et oh, puis ça continue. Wagner est très fâché auprès de Poutine, oh là là. Oui, alors là, ça tourne à la Bérézina du côté russe. C'est pas moi qui m'en plaindrais. Hein. Mais, enfin, je m'interroge, vraiment, je m'interroge à savoir comment le règne de Poutine va se finir. Ouh, je vais faire un truc de risqué, là. Quoi ? J'ai déclenché un truc, mais j'ai pas compris quoi. Il s'est passé quelque chose en contrebas. Oh la vache. Alors, je vais prendre un gros risque. Oh, magnifique. Oh, superbe. Ah, c'était pas ce que je voulais obtenir, mais le résultat était magnifique. Ah, ah merde. Je sais pas pourquoi je pressentais un serpent dans la jarre, mais finalement non. Oh là là, oh là là, attendez, attendez, il y a plein de choses par ici. Non, laisse-toi tomber. Laisse-toi tomber. Oh non, le fantôme est déjà là. Oh là là, puis il est pas du bon côté, vite. Coucou. Vite, vite, vite. Oh non, mais ma bombe qui a pas fait. Ah bah je suis mort. Voilà, je n'aurais jamais dû rester aussi longtemps. Tu penses que Wagner va prendre le pouvoir? Bah, localement, c'est pas possible. Mais que Wagner se trouve à la tête de la Russie, je ne pense pas, non. Bonne app, Christella, à plus. Mais d'un point de vue, comment dire, géopolitique, ça bouillonne la Russie en ce moment. C'est... Wouh! Mais voilà, il a son retour de flamme, monsieur Poutine. Mais ce qui me fait plus peur, c'est les dommages collatéraux, en fait, de tout ce remue-ménage. Mais bon. J'ai fait une grave erreur. Je peux pas revenir. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Voilà. Merci.
ça c'est tout trouvé. Merci. Ouais, Erika, j'ai bien peur malheureusement d'avoir raison. Tu parles de Russie, je dois te faire partager une vidéo ultra intéressante. Oui, ben n'hésite pas à me donner le lien en MP, Trota. C'est vrai que tu m'as déjà passé des liens précédemment, j'ai pas le temps de consulter. Mais c'est pas perdu, hein. Je les garde dans ma collection personnelle. Mais... j'ai pas le temps de consulter. Dans la dernière vidéo que vous m'ayez partagé, qui m'est marqué, c'était la censure de la FEMA aux États-Unis, en lien justement avec la fiction Deus Ex. Ah bah d'accord. Oh, la blonde est juste là. Ce serait ignoble de ma part que de la... Voilà, que de l'ignorer. Ouais. Ouais, mais reste à savoir comment, Erika. Espérons qu'il n'y ait pas trop de victimes. Mais bon. Puis ce qui serait beau, c'est l'après Poutine que la Russie arrive à se rendre en main d'elle-même. Ça, ce serait salutaire. Si le peuple russe pouvait... aller savoir ce que l'avenir nous réserve. Oui, c'est tirer une balle dans le pied, ouais. Et moi je suis pas le Marion dans mon jeu là. Bon, je m'en sors bien. Je m'en sors bien. Oh, je prends même pas de corde, rien. J'aurais aimé acheter des bombes, mais. Je vais faire la bombe. Merde, j'ai merdé mon saut. Merci Madame Corde. Merci, Madame Corde. Burp. Ah bah. Des cordes en veux-tu, en voilà. Aïe, aïe, aïe. Non, j'ai loupé mon saut. Ça a été un giga gadin. Pas bien. Y'a pas bien. In the morning. Et hop. Oh merde, j'ai pas regardé au-delà de la toile d'araignée. Désolé. Il est mort, le blondinet. Ah. Serais-je vénal? Oh merde, j'ai loupé. Eh ben voilà. Bien fait pour ma gueule. Non, j'ai loupé, tant pis. Employé de fonds d'investissement BlackRock balance du lourd. Ouais, attention à la contre-information, mais bon. Vous connaissez les dangers d'Internet. Mais à l'occasion, je regarderai Torata avec grand plaisir, merci. C'est un peu vertigineux là comme config. Vous êtes sérieux les gens? Merci. Oh non. Il m'a fait flipper le squelette. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh là là là. Oh là 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 là. Pas de mal en pis. Ah! Non! Non. Non. Je vais pas mourir. Ah, intéressant. Oh, je savais pas que le fil de l'araignée pouvait faire tomber la... déclencher la... le piège. Ah non, ce que je fais est débile. Oh, c'est tellement tentant de saucer. C'est dommage que j'ai qu'une bombe. Parce que saucer l'araignée est tellement tentant. Oh, il y a monsieur Sadomaso. Non. Non.
On peut le dire, il est à l'arrêt. Non, va dans la toile. Non, je veux passer. Sale bête. Non. Mais il va y avoir le fantôme qui va arriver, ça va pas le faire. Voilà, merci. Dans ta face. Oh, la violence. Et toi, tu vas tomber dans les limbes. Non, même pas. Ridicule. Oh là ! Oh là là ! C'est quoi ce guet-apens ? Ah ! Oh, j'ai eu du bol. Non, mais le fantôme va arriver. J'aurai jamais le temps de repasser de l'autre côté, moi. Non, mais vous êtes pas sérieux, les gens. Attendez. Oh non. Et ben voilà. Mon malheur. Oh là 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 là. Je suis dans la merde. Tiens. Non, je veux pas mourir. Non. Je suis mort. Ah. Allez, une dernière. Une dernière, puis après je vous laisse. J'irai déjeuner. Quoi, je sais pas, mais je déjeunerai. Je déjeunera. Et j'ai merdé mon lancer de jarre, mais tout n'est pas perdu pour moi. Oh, ou pas. Non, comme ça. Merci. Meggy. Oh. Tu nages. Oh non. Y'a rien, hein. Y'a rien en bas. Ok. Oulala. Faut réussir à lire le niveau là déjà. Oh non, il me faut un caillou. Vilain serpent. Voilà, merci. Elle va me tomber dessus. Oh. Bah alors. Que signifie ? Chaud au premier. Nos présidents et premiers ministres sont juste des marionnettes. Ouais, plus ou moins, ouais. La 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 la. Oh non, la fausse serpent, non. Eh, hey, il y a des choses ici. Attends. Il faudrait que je récupère le crâne, mais que je pose une bombe. Oh, il y a un marchand. Voilà. Ce qu'il fallait faire. À moi la tunache. Oh merde, il a pas de bombe, le vendeur. Je suis déception. Je suis déception. Non, bah là, j'ai... Oh, il y a la... Ah, oui, il y a la blonde. Auprès de ma blonde. Ma. Oula. J'ai failli faire une chute malheureuse. Alors, la blonde. Oula, c'est profond. On va peut-être éviter. Ouais. Attends, je vais peut-être pas prendre tous les liens, mais bon. Oula, oula, la, 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 oh. Attends, avant de te libérer, ma grande... Oh, déjà, il y a de la thune, là. Quoi? C'est quoi cette configuration de mort? Allez, on s'enfuit. Une autre marionnette. Oui, j'aime bien Erika. Tu dis j'aime pas Trump, mais quelque part il pose une bonne question. Alors, il n'est pas rare, surtout en France, au niveau de l'extrême droite, à ce qu'il pose les bonnes questions, mais apporte les mauvaises réponses. C'est terrible, hein. Ça résume assez bien le...
Enfin bon, bref. Enfin, si je veux pas surenchérir et ouvrir un débat politique, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais bon. De toute façon, à part glisser nos bulletins de vote dans les urnes, excusez-moi du peu, mais à ce niveau-là, le monde ne nous appartient pas, que je sache. Oulala. Ah! Je peux aller sauver la blonde en faisant un peu d'escalade. Je peux même me faire de la tunasse. De la tunasse! Ah! On va passer par là, la blondasse. Ça parle mal! Tiens, un cadeau! Oui, moi je vais y aller aussi. Oula, elle est tombée bien bas, la madame. Elle est tombée bien bas, la madame. Quoi? Non, je l'ai assommée, la pauvre. Oh non, un esclave, quelle horreur. Ah oui, le coup de l'esclave, c'est horrible. Parce qu'en fait, l'esclave va prendre les trucs à votre place. Enfin, bref. C'est rigolo, mais en même temps, c'est honteux. Ouais. Ah là 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 là. Oh non. Oh, il est excité comme... Enfin bref, je vais le laisser épouser la toile. Oh là 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 là, mais c'est la mort par ici. Je lui offre ma bombe. Tiens, un cadeau. Mais non, mais je l'ai mal lancé en plus. Oh là là. M'ont laissé tomber, j'ai tout faux. Va mal se finir mon histoire. Non mais là non. Attends. Ah. Ah, il y a des pics en bas et il y a un sapin. Joli. Oh magnifique. Oh, il y avait une roue à jouer, dis donc. Tant pis. Non, je suis déjà à la jungle. Waouh, j'avais pas vu que j'arrivais à la jungle moi. Elle est intéressante ma partie là. In the jungle, les morts sont son repos. Oh non, va y avoir les chinois Chang-Li là qui vont patater la gueugue. Oh non. Oh là 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 là. Il y a les tipis de la muerte. Et j'ai plus de bombes. Alors ça craint. Le fait de plus avoir de bombes, ça craint méchant, quoi. Non, mais voilà. Ouais, non, c'est... La jungle, c'est pas pour moi. Et le pire, c'est que les mondes que je connais pas, les environnements derrière, ils sont plus durs, évidemment, avec des trucs que je connais pas du tout, mais ce jeu est impossible. Et franchement, un énorme GG à ceux qui ont réussi à boucler ne serait-ce qu'une fois ce jeu, Espen Lucky, avec la mauvaise fin, déjà. Parce que la bonne fin, je sais plus, il y a très longtemps, j'avais vu un speedrun, et j'étais estomaqué. J'ai dit, mais c'est quoi ce jeu? Alors, il est marrant, hein, mais alors, la difficulté... C'est pour les acharnés et les passionnés. Et je sais plus où ranger ma manette. Excusez-moi, j'ai plus de place dans le meuble. Est-ce que... Non, je vais pas faire ça, je vais bousiller la manette là. Parce qu'il va y avoir la pression sur la gâchette et c'est pas bien. Comme ça qu'on casse un... du bon matos. Bon, je crois que je vais vous abandonner là pour le matin parce que je commence à avoir faim. J'ai pris le risque de balancer dans mon salon mon gros chapeau.
Ça va, c'est... Faudra pas que je recommence. Pas bien. Je fais mon vilain. Je fais mon vilain, garçon. Merde, bah la manette, elle est... Elle dit ça, c'est ça? Voilà. Parce qu'évidemment, j'ai rangé la manette. Ah, j'ai... Il me dit que mon périphérique est rechargé. Si j'ai bien compris. Non, merde, pardon, je me trompe. Oui, j'ai rechargé mon périphérique. Ah bah c'est bien. Non, je veux pas changer de mode. Le périphérique en question, je sais pas si vous entendez le son, c'est ma fameuse perche. Alors je la reverrai avec Nayone, mais normalement on est censé faire un tournage la semaine prochaine de promenade. Je la reverrai avec lui, mais parce qu'on n'a pas encore posé le jour dans l'agenda, mais... Enfin bref, de toute façon il y a la deuxième partie de la promenade que vous verrez le week-end prochain, puisque je suis pas là demain après-midi. Bah, ça fait durer le plaisir. Avec un peu de chance, vous verrez des... Qu'on appelle ça ? Des... J'aurai des promenades en réserve, si vous voulez. On se finira par voir des promenades estivales en plein hiver. Bah, ça ferait durer le plaisir. Bon, allez, chez qui je vais vous mettre dans la belle tradition Twitch du relais de Shine, le ride. Déjà, merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Merci FunFan pour la modération de ton renouvellement d'abonnement. Donc bien content que tu te sois manifesté à nous, Erika. C'est cool que t'ailles bien. Relais Change, qui me propose dans ma collection. Ah, j'ai pas mal de monde. J'ai pas mal de monde. Attends, il me dit que j'ai Boson qui fait la guerre des dieux là, God of War, enfin dieu de guerre. Oui, non, mais je t'en prie, Torota. You love tous. Merci, Erika. Love, 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 love. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Love, 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 love. Ah, il y a Petit Sep qui est tout seul avec World World. J'arrête pas le stream à temps. Ah, oula, ou alors il a fait un jeu de mots. Ou alors il... c'est une énorme faute de français, je ne sais pas. Petit Seb Live, il a quasiment personne et il joue à un jeu que je connais pas qui est le Mur Monde, World World. Petit Seb Live. Moi je reprends mon antenne tout à l'heure. Alors n'oublie pas qu'il y a l'épisode commenté avec FunFan à partir de 15h, mais je pense que je reprends mon antenne dans une heure. Peut-être pour faire la tôle froissée, le stock car, ou autre chose, je sais pas. Pour une petite heure, et puis voilà, quoi. Voilà, petit Seb Live. Allez-y, on va le mettre en lumière. Il a que 2 spectateurs. Bon, bah, bonne app, et à tout à l'heure, ouais, vers 14h, je prendrai mon antenne sur je sais pas quel jeu. Ou un nouveau Sonic. Oh non, peut-être pas. Non, je vais peut-être faire le stock car, les bagnoles. Pour me défouler pendant une heure. C'est vrai que c'est un potentiel de clip assez intéressant. Allez, bisous, à tout à l'heure. Je sais même pas ce que je vais me croquer sous la dent, moi. Ah si, ça y est, je sais. Je vais me faire une brandade de morue. Miam. Il est où, petit Cheb Live? Où es-tu, petit Cheb Live? Je veux te voir. Où es-tu? Où es-tu, turlututu? Il y a Sorcinelle chez lui. Boyouille! Allez, nouvelle zone que j'ai jamais faite. Boyoul, tout le monde. On débarque de par chez vous. Et moi, je vais arrêter mon enregistrement. Attendez. Hop. Bah, c'était cool. Merci à les animes qui regardent, etc. YouTube, etc. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.